Et salut à tous, c'est Taïker. Aujourd'hui, on va commencer tout de suite pour l'ouverture du dimanche. Alors exceptionnellement, tellement je suis excitée et de bonne humeur aujourd'hui, on va s'ouvrir deux boosters. Et puis aussi parce qu'à un moment donné, ça fait un mois que je les ai dans mon placard. Et je vous avoue que un booster par semaine, pour moi, c'est pas assez. Donc on va tout de suite ouvrir tout ça. Donc à chaque fois je vous les montre scellés, hein. Et puis de toute façon avec la poisse que j'ai depuis le début des ouvertures, excusez-moi mais je pense que je ne pèse pas mes boosters. Et de toute façon sous blister c'est un petit peu impossible de les peser. Enfin bref. Alors on a un Zacian et un Ronflex. Allez on va commencer par le Zacian, hein. Et croisez les doigts pour moi dans les commentaires s'il vous plaît. Hop. Car à un moment donné, j'ai envie d'avoir des ultras. Voilà, on déchire tout. On s'en fiche, on a envie de savoir. Donc comme d'habitude, je vous donne le petit code. Moi, je m'en fiche. Donc j'ai mis le petit fond Majesté des Dragons. Pour pouvoir me porter chance. Parce que sur cette série, c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance quand même. Mais par contre... J'ai toujours pas eu le fameux Dracaufeu Shiny. Le petit Spectrum. Bandeau Vitalité. La Pierrot. Coquillasse. Misdibule. Ouh, oh là là, je sais pas si vous avez vu, je crois qu'on a un truc. Et vous avez vachement bien croisé les doigts dans les commentaires, je suis sûre. Et je suis désolée, mais bon, regardez, ça se voit de ouf. Après, c'est peut-être la reverse. Des fois, on se dit, ouais, on a quelque chose, et c'est peut-être la reverse. Donc, on va pas se faire de faux espoirs. Maracachi, Lupio, et... Non, mais... Si vous vous souvenez bien, j'ai dit que je voulais pas ce truc-là. Mais j'en ai rien à faire de ce truc. Oh, ok, j'ai eu une full art. Ok, y a pas de souci. La meuf, elle se plaint, elle a une full art, mais... Mais Dolman, quoi, mais... Mais la poisse, mais jusqu'au bout, sérieusement! Allez, allez, Ronflex, il faut que tu nous rattrapes ça, là. Bon, ok, j'ai eu une full art. Ok, on a eu de la chance, on a eu une full art. Mais Dolman, les gars, Dolman, non! Ah, Ronflex, pardon. Ronflex, rattrape-nous le truc, là! Donc, comme d'hab, petit code. 1, 2, 3, 4, hop. Allez, s'il vous plaît, quoi. Oh, je suis deg. Je suis désolée, mais je suis deg, en vrai. Allez. Une énergie. Blanc coton. C'est quoi ça? Je sais pas vous, mais je trouve l'aspect tellement bizarre de cette carte. Ballon. Mais c'est quoi ces cartes? On a que des dresseurs. Super. Pikachu qu'on connaît. Miaouz de Galar. Gripatte. Mon mouton. Wistempo, Krabby en river, c'est attention. Oh yes! Oh my god! Non mais... Alors je vous explique. J'ai pris, comme d'habitude, au-dessus de la pile, deux boosters. Et on a deux full art. Chez moi, on appelle ça un 100% ou une chance de cocu. Ok, génial. Bon, je vous rappelle le principe de la vidéo. Là, je vais choisir de mon côté deux cartes. À vous sélectionner pour la peinture sur carte et n'oubliez pas d'aller voter sur mon Instagram évidemment pour voter pour celle que vous voulez voir prochainement. Allez, je vous retrouve tout de suite avec les deux cartes que j'ai choisies. Et me revoici. Donc j'ai tout simplement choisi Spectrum parce que j'adore Spectrum, j'aime beaucoup cette carte et il faut avouer que je ne l'ai jamais peinte. Et j'ai choisi ce Misdibule parce que l'illustration est magnifique et je sais que vous aimez beaucoup quand il y a des ambiances haut et tout ça. Donc allez sur mon Instagram, votez pour la carte que vous préférez. Il s'affichera juste en haut à gauche de votre écran. Et on va récapituler. Donc on a eu, bon, une full art, certes, mais Dolman, on sait à quel point j'affectionne Dolman, oulala. Suivez-moi tous les dimanches, ça pourrait vous plaire. Et sinon, on a eu ce Ronflex VMAX en full art. Et honnêtement, je crois... je sais, je vais faire ma chiante. Hein. Je suis trop contente. On a eu deux boosters ouverts, deux full art. Mais le problème, c'est que celle-ci, je l'ai déjà. Après, au pire, vous allez me dire, je la revends.
Et je me rembourse un peu de sous. Et je pourrai vous acheter d'autres boosters qu'on ouvrira tous ensemble. D'ailleurs, je pense que je vais prochainement ouvrir la Pokébox de... Pas de la Pierrot, de Flambino, pardon. C'est presque ça, hein. C'est son stade au-dessus. Donc restez connectés. J'espère que cette ouverture très surprenante vous a plu. Et merci à tous d'être là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous adore. Merci à tous. Bye bye tout le monde.